Alors, on est toujours dans les tachycardies, ou bien les troubles de rythme. On a vu celles qui sont sinusales, c'est la tachycardie sinusale. On a vu, on a passé aux non-sinusales qui sont de deux types, avec QRS fin, c'est-à-dire supra-ventriculaire, et avec QRS large, c'est ventriculaire. On est toujours dans celles qui sont supra-ventriculaires. On a vu l'exemple du flutter auriculaire. On va passer aux autres troubles. Voilà, c'est le sujet et je vous demande toujours de poser la vidéo et d'essayer de vous-même d'interpréter ce bilan-là, ayant connu on peut dire les principes d'interprétation de CG et que je les explique tous sur cette vidéo de 2 heures. Si vous voulez la voir, c'est hyper important de connaître la normale pour détecter l'anomalie. Alors, corrigeons ensemble. Alors, comme toujours, avant de commencer l'interprétation, il faut tout d'abord vérifier la qualité de cet ECG. Est-ce qu'il est de bonne qualité, c'est-à-dire interprétable ou pas? Alors, on a tous des vérifiés. C'est un ECG de bonne qualité. On peut commencer l'interprétation tranquillement. Dans l'interprétation, la première chose qu'on doit faire, on peut dire, c'est le rythme. Le rythme, c'est étudié sur D2. Alors, sur D2, la première information, c'est le rythme, il est régulier ou pas. On va tout simplement comparer l'espace RR entre eux. Comme vous pouvez voir, ils sont inconstants. On a les RR se diffèrent entre eux, c'est-à-dire que le rythme ici, il est irrégulier. Et après cette information-là, on va passer à la deuxième information concernant le rythme, c'est sinusal ou pas. Sinusal ou pas, comme vous pouvez voir ici, clairement, on peut même pas détecter les P pour évaluer, on peut dire, sa positivité sur D2, D1 et V6. Et la deuxième information, c'est que normalement, après chaque P, on a un QRS, on n'a même pas les P pour valider cette information. Et avant chaque QRS, on doit avoir une P. Avant les QRS, on n'a pas de P. On a juste une ligne, on peut dire qu'il est un petit peu perturbé, un petit peu parasité. Alors cet aspect-là donne l'information que c'est un rythme qui est clairement, on peut dire, qui est non sinusal. On n'a pas de P. C'est un rythme qui est non sinusal. Comme on dit toujours, lorsque le rythme il est non sinusal, on doit le classer rythme supraventriculaire ou bien ventriculaire. Pour faire, c'est le QRS. Le QRS ici, c'est fin, voilà. C'est approximativement deux petits carreaux. Il ne dépasse pas 3 petits carreaux, c'est-à-dire c'est un QRS qui est normal, on peut dire. Cela veut dire que le rythme il est non sinusal et de type supraventriculaire. Il est situé en haut. Et puisque on peut dire que le problème c'est avec les P qui sont absentes, c'est un trouble qui est auriculaire. C'est le rythme il est auriculaire. Alors après le rythme, on doit calculer la fréquence. La fréquence ici, c'est délicat parce que on peut pas calculer la fréquence auriculaire puisqu'on n'a pas de P. Les PSI sont absentes et sont remplacées par des tremulations, c'est-à-dire des tremblements de la ligne isoélectrique. Comme vous pouvez voir cet aspect-là, on ne peut pas détecter une seule P. C'est un aspect, on peut dire, qui se ressemble un petit peu aux petites P, mais ça, c'est pas normal d'avoir des P comme ça sur D2. Normalement, en D2, on a la P qui est claire, on peut dire. Alors, cet aspect s'appelle des tremulations de la ligne de base. Et comme vous pouvez voir sur les autres dérivations, on n'a pas de P. Comme vous pouvez voir, c'est clair, on n'a pas de P. On peut détecter T, par exemple. On peut détecter QRS, mais les P, c'est juste une ligne qui est tremblée. Ce sont des tremulations dans la ligne de base. Voilà. Et si on veut, par exemple, estimer un petit peu approximativement le rythme ou bien la fréquence de ces trémulations-là, par exemple sur la dérivation V1, on peut détecter un petit peu ces trémulations. Et c'est très très rapproché, il dépasse 300 battements par minute. Et ça peut même arriver parfois à 600 battements par minute. Ça, c'est pour la fréquence auriculaire. Mais on va pas calculer cette fréquence-là. On va calculer la fréquence cardiaque qui est calculée par l'espace RR. Et puisque le rythme est irrégulier, on va prendre 3 espaces RR successifs. Voilà. Et on va calculer combien on a de grands carreaux entre ces 3 espaces. Voilà, on a par exemple ici, on a trouvé 8,5 grands carreaux. On va prendre 300, on va le diviser sur 8,5 et sur 3 parce qu'on a pris 3 espaces. Et ça va donner 107 battements par minute, ce qui est une tachycardie. Ça dépasse déjà 100. À partir de 100, on est dans la tachycardie. Voilà, alors,
Si on regroupe toutes ces caractéristiques, on peut dire, de cette arythmie-là, c'est une arythmie qui est irrégulière, qui utilise une tachycardie irrégulière, non sinusoïdale de type auriculaire, avec un aspect de P sous forme de trémulation de la ligne de base. Tout ça, ils sont regroupés sous le nom d'une fibrillation auriculaire. Ça, c'est le diagnostic de cet ECG. Et c'est une urgence extrême. C'est une indication au défibrillateur. C'est une urgence à la fibrillation auriculaire. Et il faut jamais passer devant une fibrillation auriculaire. Comment on explique la fibrillation auriculaire? En fait, rappelez-vous, dans le flutter auriculaire, on a vu que le nœud sinusal, il tombe en panne. On a, on peut dire, un tissu nodal ou bien une cellule nodale qui prend le relais et qui va créer plusieurs, on peut dire, bandes de P, qui sont des dépolarisations auriculaires, et une seule, il va transmettre, il va passer au ventricule pour créer le QRS. Ici, c'est pas la même chose. Ici, on a plusieurs, on peut dire, plusieurs cellules qui prennent le relais, mais ces cellules-là, elles ne génèrent pas une P proprement dit, c'est-à-dire elles ne génèrent pas une dépolarisation, juste un tremblement, on peut dire des oreillettes, juste on peut dire qu'elles essayent de faire contracter les oreillettes, mais elles n'arrivent plus, c'est juste des tremblements de la ligne de base, on n'a pas une P qui est correcte, qui est produite par ces cellules-là. Alors prenons cet exemple. Et je vous demande toujours d'essayer de vous-même d'interpréter avant de voir la correction. Alors ça, c'est la dérivation des deux. Et tous les critères de l'interprétation sont respectés, c'est-à-dire vous devez commencer directement l'interprétation. Alors le rythme, régulier ou pas, on va juste comparer les espaces RR. Comme vous pouvez voir, c'est clairement que c'est irrégulier, c'est un rythme irrégulier, c'est la première chose. Deuxième chose, on va voir sinusal ou pas. Voilà, on ne peut pas détecter les ondes de P. Les ondes de P sont sous forme de tremblements de la ligne de base. Elles ne sont pas visibles. On peut dire qu'on a plusieurs P puis un QRS, mais en tout cas, c'est un rythme qui est non sinusal. Par la suite, on doit classer ce rythme-là, supraventriculaire ou bien ventriculaire. Comment faire? C'est le QRS. Le QRS ici, ça dépasse pas trois petits carreaux, c'est-à-dire, oui, bon, on est dans une arythmie supraventriculaire. Par la suite, on doit caractériser ou bien on doit, on peut dire, détailler l'aspect de P. On n'a pas de P, ça c'est la première chose. La deuxième chose, les P sont remplacés par par des trémulations de la ligne de base. C'est-à-dire que le trouble ici, il est au niveau des oreillettes. C'est une arythmie auriculaire. Et on a fini avec le rythme, on doit passer à la fréquence cardiaque. Comme on l'a déjà dit, on ne peut pas calculer la fréquence auriculaire, on va juste calculer la fréquence ventriculaire, celle qui est calculé par l'espace RR, c'est un rythme irrégulier. On va prendre trois espaces RR et on va calculer la somme. Alors, on a trouvé qu'on a 8,5 grands carreaux et on va calculer la fréquence cardiaque, c'est 300 sur 8,5 sur 3. Ça va donner 106 battements par minute, c'est-à-dire on est déjà dans la tachycardie, ça dépasse 100. Alors, en regroupant toutes ces caractéristiques du rythme, c'est une tachycardie qui est irrégulière, qui est auriculaire, avec des P sous forme de trémulation de la ligne de base. Cela donne le diagnostic de la fibrillation auriculaire, qui est une urgence extrême. Alors, prenons ce troisième exemple et je vous invite toujours à l'interpréter de vous-même avant de corriger. Alors, la première chose, c'est la qualité de l'ECG et les vérifier si c'est un ECG qui est interprétable. On va passer au rythme. Le rythme, c'est sur D2. La première des choses, c'est comparer les espaces RR, comme vous pouvez voir. Pour être précis, on va calculer, ou bien on va calculer la distance RR et on va le comparer avec les autres. Par exemple, ici, on a trois grands carreaux et demi. Par la suite, grand carreau 0,5. Par la suite, on a, par exemple ici, juste trois grands carreaux. Et on a un espace qui est long. Par exemple ici, on va trouver qu'on a quatre grands carreaux approximativement. On a, par exemple ici, juste 2,5. C'est-à-dire, c'est un rythme qui est irrégulier. Par la suite, sinusal ou pas. Alors, on va, les ondes de P, on ne peut pas les visualiser. Elles sont absentes. Elles sont remplacées par une ligne qui est perturbé, ce sont les trémulations de la ligne de base. Alors, et chaque QRS n'est pas précédé par sa propre P, c'est-à-dire, en gros, c'est un rythme qui est non sinusal.
et les endopexies sont absentes et remplacées par cette régulation de la ligne de base. On va passer par la suite et donc, ou bien classer cette arythmie-là, supraventriculaire ou ventriculaire. Comme vous pouvez voir, on a le QRS6, c'est deux petits carreaux, ça dépasse pas trois petits carreaux, c'est-à-dire il est fin. C'est-à-dire en gros, c'est une arythmie qui est de type auriculaire. Et le caractère de P sur cette arythmie, c'est que les P sont absentes et remplacées par les trémulations. Après le rythme, on a la fréquence cardiaque qui est calculée, non pas par les P parce qu'elles sont absentes, mais par les RR, c'est-à-dire par le QRS. Alors, on a déjà identifié trois espaces RR. On va juste prendre la somme. On va prendre 300 sur la somme de 3 RR et on va diviser sur 3. Ça va donner, par exemple, ici, c'est 300 sur 9 grands carreaux sur 3. C'est 100 battements par minute. C'est déjà une tachycardie parce qu'à partir de 100, on parle d'une tachycardie. Alors ici, en regroupant toutes ces informations, c'est une tachycardie de type irrégulière et non sinusale avec des P qui sont absentes, QRS fin. On parle d'une fibrillation auriculaire. Et on va juste ouvrir une autre entre parenthèses. La différence entre un flutter et la fibrillation, c'est que dans le flutter, le rythme est irrégulier, c'est-à-dire les espaces RR sont constants. Alors que dans la fibrillation auriculaire, toujours, les espaces RR, ils sont inconstants. Avec justement une tachycardie et le rythme qui est non sinusal avec des QRS qui sont fins. Parce que on est dans les rythmes auriculaires. Bien entendu, l'aspect des P sur la fibrillation auriculaire, on n'a pas de P visible, juste des trémulations, bien un tremblement de ligne de base. Alors que on a dit que dans le flutter auriculaire, on a l'aspect en dents de scie, qui sont, on peut dire, régulières et sans retour à la ligne de base. Alors, finissons avec cet exemple. On a dit que le rythme il est irrégulier. Après ça, on va voir que il est non sinusal parce qu'on n'a pas de P. On a juste des trémulations de la ligne de base. Après ça, on a le QRS qui s'en va, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une arythmie supraventriculaire. Et puisque le problème c'est avec les P, c'est-à-dire que c'est auriculaire pour être précise. Et par la suite, on va voir l'aspect des P. On a dit que c'est juste du trémulation de la ligne de base. Et finalement, pour la fréquence cardiaque, les espaces RR, on va calculer. Et ça va donner au total 100, approximativement 105 battements par minute. C'est une tachycardie. En regroupant tous ces signes, on peut dire, c'est une FA. C'est une fibrillation auriculaire qui est une urgence.